Dans le don de soi, vous pouvez noter quatre choses importantes qui sont liées à cela. La première des choses, c'est que Dieu veut que nous puissions d'abord offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Deuxième forme d'offrande, toujours dans le don de soi, c'est l'offrande de notre louange, le fruit de nos lèvres. Troisième sorte d'offrande dans le don de soi, c'est la bienfaisance. N'oubliez pas la bienfaisance, mais la bienfaisance d'abord. Et la bienfaisance, ce sont les bonnes œuvres. C'est le fait de faire du bien aux gens. Ça aussi, c'est un don de soi. Ça aussi, c'est une offrande à Dieu. Et la quatrième chose dans le don de soi, c'est le service du chrétien dans l'église. Le ministère de chrétien. Parce que tu ne peux pas te dire « je m'offre à Dieu » ou encore « j'offre mon corps à Dieu ». Mais tu ne t'engages pas à ce Dieu-là. Tu ne t'engages pas dans les affaires qui concernent ce Dieu. Cela est contradictoire. C'est la raison pour laquelle le sacrifice, le service que tu rends à Dieu est aussi une offrande vers le Seigneur. Donc, toi qui sers Dieu, de quelque manière que ce soit, ce n'est pas en vain. C'est une offrande que tu es en train de présenter à Dieu. On ne voit pas les choses de cette manière, mais c'est la pensée de Dieu. C'est la compréhension de la parole de Dieu.